Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo, bienvenue dans ce 120e épisode de Fire Emblem Three Houses. On se retrouve tout de suite après le 119, alors pour moi, parce que vous, il s'est passé deux jours, grosso merda, grosso merdax. On vient de finir le combat, et donc tout de suite la suite, bien évidemment. Le débrief, Lynn Hart, leur pouls est lent, et elles ont l'air bien pâles. Leur vie ne semble pas en danger, cependant. Flayne, où l'avez-vous trouvé ? Vous avez raté le moment crucial de la mission. Nous l'avons trouvé au bout de ce passage secret. Le chevalier macabre et... Quel était son nom déjà? Ah oui, l'empereur des flammes. Ce sont eux les coupables, mais ils ont réussi à fuir. Tout ce qui compte, c'est que Flayne soit saine et sauve, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait. J'aurais bien voulu les capturer, tout à fait. Eh oui. Je vais les escorter jusqu'à l'infirmerie, professeur. Allez donc prévenir cette S. En tout cas, je suis ravi que Flayne soit saine et sauve. Je suis curieuse d'apprendre qui est cette autre jeune fille. Est-ce son rire, professeur? Bah oui. Vous avez un air satisfait, je ne vous ai encore jamais vu faire preuve d'une telle joie. Dépêchons-nous de vous présenter... Ah, nous dépêchons-nous à présent d'aller trouver ses tests. Il attend avec impatience de bonnes nouvelles. Eh ben, nous avons retrouvé ses tests... Flayne, ta fille... presque morte? Professeur... Laissez-moi vous exprimer à nouveau ma gratitude éternelle. Flayne est saine et sauve, et c'est à vous que je le dois. De simples mots ne suffiront jamais à exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. J'ai une dette envers vous. Qu'elle soit saine et sauve suffit à me certifier, je ne serai jamais revenu sans les étudiants. Oui, bien sûr, il faudra que je leur exprime aussi ma gratitude. Mais pourquoi donc Flayne a-t-elle été enlevée? Son ravisseur était ce chevalier masqué qui s'est volatilisé pendant la cérémonie de renaissance, celui que l'on appelle le chevalier macabre. Étant donné les circonstances, il semble plausible de considérer qu'il s'agit en réalité de Geritsa. Mais il ne faut pas oublier le mystérieux empereur des flammes. Ses véritables motivations restent encore obscures. Cependant, j'ai une petite idée. Je pense que notre ennemi cherche à s'emparer du sang de Flayne. Le sang qui coule dans ses veines est spécial. Il est extrêmement rare et extrêmement dangereux. Si des ennemis qui connaissaient les secrets... Non, qui connaissent du coup les secrets du sang de Flayne se dressent face à nous, nous n'avons d'autre choix que de quitter le monastère et de nous cacher. Frère, attends. Flayne, que fais-tu ici? Tu devrais te reposer. Je n'aime guère le chemin que prennent tes pensées. Je ne veux pas vivre dans un lieu reculé et solitaire où je ne verrai plus personne. Pas encore une fois. Si nous restons ici, tu risques d'être à nouveau visé. Ne vaudrait-il mieux pas que nous vivions en paix tous les deux? Mais même si nous fuyons vers une nouvelle destination secrète, rien ne dit qu'ils ne nous retrouveront pas. C'est pourquoi je pense qu'il serait plus sûr de rester au monastère où nous sommes entourés de chevaliers et de professeurs compétents. Je comprends ton point de vue, mais... Tu sais que c'est la seule option raisonnable. Et si je rejoignais la classe du professeur? Excellente idée. C'est bien, parce que comme ça, elle vient avec nous, avec Edelgard. C'est aussi ce que vous pensez. Je suis bien contente de vous l'entendre dire. Avec un professeur comme vous dans les parages, je serai à l'abri face à n'importe quel ennemi. Je vois. Je crains que tu n'aies raison. Professeur, de par ma position, j'ai examiné attentivement toutes les informations à votre sujet. Après tout ce qui s'est passé, je dois admettre que vous êtes une personne de confiance. Alors, puis-je vous confier à la sécurité de Flayne? Avec plaisir. Je suis agi que Flayne soit en sécurité. Mais je me pose des questions sur l'autre dame. Elle portait l'uniforme de l'académie. Qui peut-elle bien être? Monica. Alors je sais pas si c'est une incidence sur Edelgard qu'on ait choisi de protéger Flayne. Je ne pense pas, honnêtement. Enfin, j'espère pas. Excellent travail, professeur. Je constate que j'ai raison de demander l'aide de votre S. Parce que c'est juste une personne qu'on veut sauver, quoi. Persécutée par son sang et donc son... Exactement ce qu'Edelgard ne veut pas que les gens subissent. J'ai entendu dire que Manuela et Flayne retrouvent progressivement la santé, tout comme Monica. Monica était-elle étudiante ici? Monica, la jeune fille que vous avez retrouvée en même temps que Flayne, est elle aussi étudiante à l'Académie des Officiers. Cependant, c'est une étudiante de la promotion de l'an dernier. Elle avait disparu juste avant d'obtenir son diplôme. Il ne nous serait jamais venu à l'idée que quelque chose puisse lui être arrivé au monastère. Nous avions supposé qu'elle avait fait une fugue. Je n'aurais jamais pensé que nous la retrouverions. Surtout pas dans ces circonstances. Monica a demandé à réintégrer la maison de l'aigle et de G lorsqu'elle sera totalement rétablie. Nos ennemis sont toujours là quelque part. Il nous faut donc rester prudents et poursuivre nos recherches. Cependant, nous devons aussi aider les étudiants à surmonter cet incident. Après tout, la bataille de l'aigle et du lion aura lieu sur la plaine de Grondeur le mois prochain.
Oui, les étudiants s'en souviendront toute leur vie. Veuillez les guider afin qu'ils puissent nous montrer tous leurs talents dans la bataille qu'ils annoncent. Alors comme ça, tu vas te rendre dans la plaine de Grondor le mois prochain. Tu n'y as encore jamais mis les pieds, n'est-ce pas? Il y a des troubles dans les provinces occidentales de l'Empire, mais à l'est de la capitale, Anbar, la situation est stable à peu près partout. Enfin, il y a bien une rébellion noble, mais il n'y a pas longtemps, mais elle n'a pas mené à grand-chose. Et que feras-tu, toi, le mois prochain? J'ai ma propre mission. L'Église a toujours été prompte à assigner des tâches à ceux qui sont à son service. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de découvrir lequel d'entre nous tire les ficelles en coulisses. Depuis la cérémonie de renaissance, on a vu d'étranges groupes se rassembler, aux alentours de Garreg Mac et ailleurs. Il y a aussi eu un incident où des chevaliers partis enquêtés sur ces individus ont été retrouvés morts. Même si c'est peu probable, si jamais quelque chose de ce genre devait m'arriver, viens fouiller cette pièce, de fond en comble. Derrière chaque étagère, je vais y laisser quelque chose à ton attention. Ne hoche pas gravement la tête comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter, je prends juste mes précautions. Mais bon, c'est vrai que tu as toujours un air solennel. Bah ouais, écoutez, que veux-tu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, nouveau chapitre. La plaine de l'aigle du lion, j'avais jamais capté, mais il y a carrément l'immaculé en dessous, quoi. Dans le dessin, quoi. On se fait spoil dès le début. Oh, dans les cieux résonne le chant d'une volée de wyvernes, qui, fendent le ciel cristallin, s'envole vers le sud afin d'y passer l'hiver. Afin d'aider leurs aînés à préparer la saison froide, les enfants ramassent du bois et pêchent dans les eaux glacées des rivières. Et, levant les yeux vers le firmament, ils contemplent en silence cet extraordinaire spectacle céleste. Et 2/2 ? Allez ! On est bien. Quête de chasse. Les quêtes de chasse requièrent que vous alliez au combat. Waouh. Pour les retrouver, c'est une bataille. C'est un jour de repos. Bon. On veut en apprendre plus, nous. Part 2. C'est avant la partie 2 hein, qu'on choisit. Hein. C'est après la bataille de l'aiguille du lion, mais... Samedi 4, c'est Réa qui nous parle, ça. Ah non. Professeur, j'imagine qu'on vous a déjà parlé de la bataille de l'aigle et du lion, n'est-ce pas? Je connais juste le nom de cette bataille. Je vois. Dans ce cas, je vais vous raconter tout ce que je sais. Il s'agit d'une simulation de bataille à grande échelle entre les maisons rivales. Elle a lieu une fois par an. Son ampleur est incomparable à celle de la simulation de bataille qui a eu lieu durant la lune du Grand Arbre. Avec un T. La bataille se déroulera dans la plaine de Grondor, un territoire de l'Empire au sud-est de Garreg Mac. La victoire revient à la maison qui vint le plus d'adversaires. Bien entendu, les professeurs combattent pour leurs maisons respectives. Cette année, le professeur Manola doit se ménager et ne participera pas. Et comme elle est l'éternel rival du professeur Hanman, celui-ci s'abstiendra aussi. Dans ce cas, je m'abstiendrai également. Que devrais-je faire ? Oh, ne vous en faites pas pour nous. Vous souhaitez sûrement voir les élèves en action. Vous sentez-vous mieux, professeur? Oui, grâce à vous tous, mais je ne ferai que vous gêner au combat. Je n'ai pas envie que mes élèves me voient m'écrouler sur le champ de bataille. Exact. Nous ne participerons pas. Cependant, ce n'est pas une raison pour vous attendre à une victoire facile. Et si ça se trouve, il n'y aura pas de victoire. Bien dit. Nous avons passé les derniers mois à pousser nos élèves au-delà de leurs limites. Venez me voir à l'infirmerie quand ils vous auront écrasé. Ça ne me semble pas équitable. Allons, si vous vous doutez ainsi de vous, nos élèves ne feront qu'une bouchée de vous. Nous leur avons appris tout ce qu'ils doivent savoir, inutile de les épargner. Mettez leurs compétences à l'épreuve. Bon bah très bien, hein, on va leur dérouiller la gueule. Hein. Bon, en fait, je suis bien content que Bailes y participe, parce que mes élèves à côté, c'est pas trop ça non plus quand même. Hein, à part Shamir qui n'est pas du tout un élève, ou une élève plutôt je devrais dire. Edelgard, bon, elle était pas là dans le précédent, donc c'est sûr que c'était compliqué. Mais Ferdinand, il est encore présent, il est pas mort, j'ai dit des conneries, je croyais qu'il était mort, mais non, il joue pas, quoi. Il est niveau 1, parce que je l'ai pas vu, donc c'est comme s'il était mort. Ah, c'est bien ça, Yuri, tu vas pouvoir avoir un chevalier Pégase. Non, toi t'es cavalier, j'ai dit. Je sais plus.
Statut. Objectif. Y'a pas d'objectif là? Non. Y'a pas d'objectif. Flûte. Elle est partout. Mais l'aérien a l'air de plus. Mobilité plus 10. Mobilité. Ça augmente l'esquive. C'est mieux chevalier Pégase. Allez, va. Ah, mais elle peut pas utiliser la magie, ça, si. Elle donne une Pégase fort face à la magie, faible face aux arcs. En tout cas, là. Ça lui va pas. La lance. On va peut-être pas faire chevalier Pégase tout de suite. C'est la pas de lance. Peut-être faire juste mage. On va faire juste mage, je pense. Pour le moment. On va continuer d'augmenter ses chevals, hein, je crois qu'elle veut elle. Mais Yuri. Yuri, il faut l'augmenter parce que là, il pue. Il est un peu naze, le bonhomme. Archer. Il est fort en arc, lui? Il a pas d'arc. Prêtre. Ouais. Je sais pas quoi lui mettre. Hein. Ah, il est naze en science. Hein. De toute façon, j'ai pas de saut, j'ai l'impression. Bah écoutez. On va attendre un petit peu. Faudrait que je répare mon épée du créateur en se reposant, mais ils sont tous à bloc, non? On va faire un quartier libre. Le premier du mois, on fait un quartier libre. Est-ce qu'on a des soutiens? Oui, on a des soutiens. Ferdinand avec Petra. C'est parti. Ferdinand, notre professeur vous demande à voir. Il est très concentré. J'attendrai qu'il finisse la lecture. Oui, c'est limpide. La diplomatie peut aussi avoir une influence sur le développement des armes. Oh, Petra, depuis combien de temps êtes-vous ici? Pas longtemps. Vous concentrez toute votre attention sur ce livre. Pardonnez-moi, je m'étais égaré dans mes pensées. Mais je vois que vous disiez aussi. Est-ce là une lecture enrichissante? Je suis en train d'étudier l'histoire de Fodland. Un livre d'histoire? Vous êtes une étudiante assidue, Petra. L'ère Herzberg, sujet passionnant s'il en est. Je souhaite savoir tout sur Fodland. Quel est le livre que vous lisez? Oh, cela. Je me livre à un de mes loisirs, l'étude de l'histoire du développement des armes de Fodland. Leur conception n'est pas uniquement pensée en fonction du terrain et du climat, mais évolue également au gré des contacts extérieurs, voyez-vous. Oui, c'est très intéressant. J'ai compris pourquoi vous vous livrez à cette sorte de lecture. Oh, ce sujet pique-t-il également votre curiosité, Petra? Peut-être désirez-vous en étudier les arcanes à votre tour. Il ne s'agit que là que des l'un des 18 tomes de la collection merveilleux. Vous en trouverez l'intégralité dans notre bibliothèque. Va de soi. Vous avez ma gratitude. L'étude des armes pourrait être une bonne référence pour moi. Oh, veuillez prendre mes excuses. Je voulais dire que notre professeur voulait vous voir. Pourtant, ce genre d'étourderie ne vous ressemble guère. En tout cas, il faut que je m'y rende prestement. Tout à fait. Oui, ce n'est guère souvent que j'oublie quelque chose, mais ce n'est pas impossible. Ben ouais, hein, ça arrive. Hein. It happens, you know. Linhart avec Petra. Elle prend du galon, la petite, de faire du combat. Petra, pourriez-vous arrêter quelques instants? Oui, vous voulez quelque chose? Oui, je vais vous regarder manier la lance et il me semble que vos transitions gagneraient à être améliorées. Le mouvement que vous faites avec votre bras avant un coup fort gêne votre mobilité et ralentit le retour de la lance. Vous pourriez être blessé. Lequel? Bras gauche? Droit? Le droit. Non. En fait, il s'agit des deux. C'est aussi à cause des mouvements de vos coudes. Je ne comprends pas. Montrez-moi, s'il vous plaît. Vous voulez une démonstration? Eh bien, non. Je n'ai aucune envie de transpirer sur mon livre. Mais il faut que je corrige. Montrez, je vous en prie. Ou vous ne savez pas faire, vous savez seulement apprendre.
Oui, voilà, je suis plus versé dans la théorie que dans la pratique. Je vous donne des conseils, vous vous appliquez. C'est très simple. Alors conseillez-moi encore, je vous prie. En fait, c'est assez simple. Parfois, vous donnez un grand coup vers le bas, n'est-ce pas? Juste avant, vous levez la lance. Et là, vous relâchez toute la tension dans votre bras. Votre coup n'est plus d'élan. Comment je peux lever les bras sans le mouvement pas nécessaire? Je pense en effet que le mouvement de votre bras est le problème. Si l'on prend en compte le centre de gravité de la lance et l'élasticité des muscles... Gravité, élasticité... Pouvez-vous ne pas le montrer plutôt? Je vous prie. Si vous me montrez, j'apprendrai avec rapidité. Si je vous montrerai, vous ne ferez que perdre du temps. Vous êtes intelligente, vous trouvez bien pour vous-même. De toute manière, je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Ah, le gars utile, quoi. Lindhardt ne sait que parler. C'est à moi de réussir. Bah ouais. Il parle, mais il fait pas grand-chose à part nous sauver le cul. Bon, c'est suffisant, vous me direz. Mais... En fait, là, tout c'était avec Petra. Ah, mes lunettes, où sont-elles? Où sont-elles? Veuillez prendre mes excuses, Lignat, je n'ai pas fait attention. Il avait pas ses lunettes sur la petite image. Il l'a pas. C'est nouveau, ça. Ce n'est rien, Petra. Concentrons-nous sur l'essentiel. Auriez-vous vu mes lunettes? Vos lunettes? Ah oui, les verres transparents pour voir les choses. Voilà, exactement. Votre visage semble différent sans les lunettes. Oui, je les ai fait tomber à l'instant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis à la recherche. C'est cela. Eh bien, oui. Oh, Louis, voilà, déesse, je crains un drame. Allez-vous bien, Petra? Vous n'avez pas été blessée, j'espère. Je n'ai pas de blessure. Et vous? Tout va bien, je vous remercie. C'est heureusement. Pendant longtemps, les lunettes vous sont-elles nécessaires? Oh, eh bien, oui, à vrai dire, je ne vois malheureusement rien sans elles. N'en avez-vous jamais porté? Vous ne semblez pas en avoir besoin. En Brigitte, il n'existe pas de lunettes. Je pense que les yeux de tout le monde sont bons chez nous. C'est aussi mon impression. Je vous envie, pour être honnête. Dans les ombres, les bêtes dangereuses rôdent. Si je ne peux pas voir, je ne peux pas vivre. Alors, une mauvaise vue peut signer un arrêt de mort. Brigid ne semble pas très accueillante. J'ai besoin de la vue pour chasser également, sinon je meurs de faim. Ah oui, vous chassez beaucoup, Brigid? En effet, il vaut mieux avoir de bons yeux. Je me demande pourquoi vos yeux ont changé et ont fini par nécessiter des lunettes. Eh ben, la défaillance, que voulez-vous? C'est un problème courant. Mais... On peut rien y faire. On peut rien y faire. Objet d'emblème. Niveau de soutien. On pourrait acheter des niveaux de soutien avec Shamir. Est-ce intéressant? Non. On peut déjà avec H et autres. Pas très intéressant non plus. On peut avoir des niveaux de soutien avec Rhea. What? Ça doit être après. Ça doit être en partie 2. On achètera s'il en faut. La tempête se lève. On a quoi à faire? Trouver des précieuses informations, afficher la liste. Tournoi de pêche, remettez la lettre secrète. 2, allô sur les voleurs, combat contre chevaliers royaux. Des fleurs pour sa tombe, ok. On a beaucoup de trucs. Très bien. Puis on en passera on en profitera pour faire un tour avec nos étudiants. Bien évidemment. Hop, d'ailleurs, en parlant d'étudiants, c'est Bernadetta qui est juste là. On va lui dire bonjour, salutations, bonjour professeur, vous voulez apprendre quelque chose? Grandeur se situe dans la région de Bergliès dans l'Empire, c'est pas loin de Varley, ma région natale. Oh oh non, et si mes parents venaient me voir? Ah, Varg. Je doute que les nobles aient le droit d'observer. Vraiment, pour de vrai? Vous ne diriez pas ça sans certaine absolue, hein? J'ai dit que je doutais. Donc, par définition, je n'en suis pas certain. Mais bon, les récoltes sont bonnes en ce moment. Parfait. Il me semble que j'en avais. Ok. Eh bien, on va planter, ça nous fait gagner des niveaux de trucs, là. Des niveaux de prof. Donc, allons-y. Investissons dans la plantouille. Ah, Gilbert. Un concours de pêche, voyez-vous ça. Professeur Cissès vous a-t-il prévenu? Un concours de pêche est organisé. Étant donné les événements du mois dernier, je crois que c'est exactement ce dont nous avons tous besoin, professeur comme élève. Allez-vous y participer? Je crains que ce genre de festivité ne soit ma tasse de thé, mais j'apprécie cependant beaucoup la pêche. Je crois qu'il vaut mieux que je pêche tranquillement dans mon coin. Ok. Merci Gilbert. Je rappelle que t'es mort. Faudelan, c'est grand! Pas autant qu'Almira, mais grand quand même.
envie de rentrer en Almira. Tu aimerais découvrir Fodlan un jour? Découvrir, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Ok, cool ta vie. Cool ta vie. Vous savez, je suis plutôt doué pour la pêche. Mon grand frère m'y a emmené. Pourquoi n'essayerez-vous pas? Il paraît qu'on peut manger ses prises. Tu t'en cognes si je te recrute. M'accepteriez-vous dans votre classe? Je sens que j'apprendrai bien plus en étudiant auprès de vous. Vous voulez bien me donner ma chance? Eh bien, parfait. Je n'irai pas mes efforts. Ash a rejoint la maison. Bah voilà. Ça évitera qu'il meure. La méchanceté semble plus totale. Organiser un concours aussi frivole que ridicule. Bah non, il est avec nous en fait. La veille de la bataille de l'aigle du lion, c'est une absurdité absolue. Cependant, il semblerait que nous soyons autorisés à manger nos prises. Et je n'en fais jamais un bon repas. Je n'y arrive pas. Je regrette, mais bon, plutôt. Non, elle veut pas, elle. Elle voudra jamais. Elle est trop proche de Dimitri. Il y a un tournoi de pêche, alors je dis bienvenue au concours de pêche. Bienvenue au concours de pêche du monastère, vous allez l'air confus, ces tests ne vous en a pas parlé. Concentrez-vous de pêcher les poissons réclamés par Flay, vous devez ensuite lui montrer chacune de vos prises. Acceptons. C'est cool le tournoi de pêche. Allons pêcher. Voulez-vous pêcher dans l'étang? Non, c'était pas ça qui fait que je parlais. On va faire le tournoi de pêche, c'est passionnant. On va juste s'entraîner. Oh, j'ai bien raté là. Yes. Ok, c'est un gros rouge. Dommage que je me suis scié parce que c'était potentiellement un bon. Dommage. Ah, pas de concours. Ah, ça fait augmenter le niveau de prof. Non, ça c'est naze, un petit bleu. Un gros bleu, c'est naze aussi. Ok, on va prendre le rouge. Oh, j'ai fait un bien. Oh, je suis naze. Oh, je suis naze. Je fais un bien et que des excellents et ça fait bien, quoi. Ah, bah. Je crois que c'est celui que j'ai eu. Hein. Je crois que j'ai eu le bon. Parfait. C'est pas lui là, c'est lui. Carpe de Fodlan. Non, c'est pas ça. Merde. C'est le gros doré. Ça c'est naze. Non. Allez, on va prendre lui. Parce que de toute façon, après j'ai plus le... Boum. Oh non, j'ai fait un bien. Oh, le nulos. Carte de Fodlan XL. Bah, ça doit être ça. Hein. On en refait un, juste histoire de... Allez. Bon. Combo 4. Ok, ça devrait aller. Petra. La pêche du poisson, c'est amusant. Je suis contente que vous participiez. Peut-être que vous et moi pouvons nous faire une petite compétition juste entre nous. Nous capturons un même type de poisson et comparons la taille. Quel poisson le plus grand sera gagnant, d'accord? Ok. Cadeau du coup. Objet trouvé. Non, c'est cadeau. Je peux pas en donner une. Je me prends de bailleur, j'ai perdu, pardon, j'ai perdu. Ah bah d'accord, ok. Il fallait juste que je lui montre. Je vais attraper la belle poiscaille. Je vais attraper la belle poiscaille, vous allez voir. Ça ne mord pas. Vos cris effraient les poissons. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Sûrement mon allure de requin. Ah, je plaisante, comme si le poisson était suffisamment malin pour avoir peur de moi. Vous avez participé, professeur? Ah, j'ai envie de sauter de joie. J'arrive pas à me rappeler quel type de poisson je voulais manger. Alors, si vous en pêchez un, vous pourriez me l'apporter pour que je le voie. C'est pas lui. Il n'est pas apporté le poisson que j'avais, quel dommage. Ah non, c'est pas le bon.
Vous y croyez, vous participez aussi, que direz-vous, d'une petite compétition amicale? Regardez, j'ai déjà fait une prise, essayez d'en avoir attrapé un plus gros. J'ai attrapé quelque chose, on se la bravo, mais bah tu voilà pour vous. Ok, une épée en acier, cool. Donc j'ai pas eu le bon, alors pourtant j'ai eu poisson XL. Hein. J'adore la pêche, mais c'est parfait, vous avez aucune chance contre moi. Attraper cette bête là, je pense que vous m'empêcherez pas plus gros que cette espèce. Eh bah oui, hein. Ténace, ténace, Caspar, qu'est-ce que tu veux? Du bon poisson, vous participez aussi, ça dirait une petite compétition avec moi. Rang 4 ou plus, bah écoutez. Eh ben si, viande de gibier, c'est tout. C'est un plaisir de pouvoir, vous voulez me parler, j'étais en route pour l'entraînement, alors je n'ai pas tellement de temps, mais on pourra discuter plus tard. Ok, yes. Ignatz, toi aussi tu veux... Ah, vous participez au concours de pêche, montrons vos compétences à l'épreuve. Mais oui, mais je te défonce. Une potion, bah écoute, merci. Oh, vous participez au concours, Cadian, mais c'est tout. Ils veulent tous faire la même chose, petite compétition amicale. Eh ben ouais. Pourtant, c'est pas le bon poisson. Professeur, vous y partez aussi, Cadian, un petit temps, blablabla. Ben oui, mais écoutez. Votre poisson est bien plus grand que le mien, vous avez donc gagné cette fois-ci. Merci pour une tomate, quoi. Ah, la générosité, il y en a, ils donnent des épées et elle, c'est une tomate, quoi. Bon, en même temps, c'est un concours amical, mais... Bon, ben, on va continuer. Apparemment, on n'a pas eu le bon. C'est con. Je veux un plus gros encore. Non. Non, c'est pas lui que je veux. Et merde. Non, je veux un gros. Non, c'est nul. Oh, mais c'est tout petit, ça, c'est naze. Bah ouais, mais c'est de la caille. Non, mais pourquoi j'appuie sur A? Bon, on va prendre le gros, hein, tant pis. Oh, j'ai fait un bien. Le nulos. Pourtant j'ai fait un parfait et carpe de faux de l'an, ouais mais non, mais on s'en fout de ça. Ah. On veut le gros jaune, je crois que c'est un gros jaune qu'il faut. Peut-être un gros bleu. Non, il est plus petit que le rouge. Parfait. Allez, on va prendre celui-là. Ok, c'est un parfait. Si c'est pas le bon poisson. Non mais... Mais oh! Il est où le bon poisson, là? Non, ça c'est de la caille. C'est de la caille aussi. Mais c'est de la caille, regardez-moi la gueule du truc. Non, non, mais oh, il me faut un truc plus intéressant, là. C'est tout petit. Allez, on va prendre le gros. J'ai fait un bien... Genre ça va pas lui suffire quoi. J'ai la carte de Faudelan XL là. Je pensais que c'était ça moi. Bon, on fait une dernière. C'est le petit poisson de merde ça. Un gros bleu. Ouais, mais ça vaut pas un rouge. Je pensais que ça valait un rouge. Ouah, le truc de naze, quoi. Mais c'était un nouveau. Ça me fait augmenter mon niveau. Donc c'est clairement quand c'est rouge.
C'est du gros poiscaille quand c'est rouge. Il y a beaucoup de poissons dans un étang quand même. Ok, non mais sérieusement quoi? Allô? Tu veux pas m'en mettre un gros là? S'il vous plaît. C'est un truc tout petit. Ah, ça c'est un gros ça. Bon. Voilà, Aran d'Autotat. Très bien, on l'a eu, le dernier, c'est la bonne. Forcément en même temps. Ah, vous en avez prêt à taper un. Oui, c'est le poisson que je voulais, ça me fait blablabla. Ok, et ben voilà. Hop. On gagne de la renommée, ça aurait été con. Y'a quoi là? J'avais besoin de votre aide. Des bandits sèment le chaos, blablabla. Ok. On va aller régénérer nos escouades. Régénérer. Elles sont tout en PLS et on va en engager. Il y en a peut-être des bonnes. Hein, engager. Byless. Cavalerie aigle de G. Cuirassé. Ça fait quoi ça? Non, il n'y a pas des trucs mieux, sérieux? Charge la cavalerie liée par les chaînes. Ah, c'est bien ça. PV à l'unité. C'est pas si mal ça. Nous ferons de notre mieux. Edelgard, t'as incendie toi, déjà. Écho magie de feu, puissante attaque magique de feu qui affecte une large zone. Très bien ça. Ok, lui il a rien, zéro autorité. C'est Yuri qui a pas mal d'autorité, non? Ouais. Incendie, très bien. Et bien voilà! Merci bien. Nous allons continuer. Nos quêtes. Vous avez trouvé Lorenz. Bonjour. J'ai le rare plaisir de recevoir une lettre de mon père. Il y dit prier pour la victoire de la maison du Cerdor avec ferveur. Mon père a fait l'académie des officiers et il a remporté une victoire glorieuse à la bataille de l'aigle et du lion. Je crois qu'il n'en est pas peu fier, sûrement la preuve que c'est un grand honneur. Scott est à la hausse, mesdames, Réa vous apprécie, il est regrettable que je ne sois pas dans votre classe. Ok. J'ai pas assez de science pour toi. On va améliorer ça, bien évidemment. Ferdinand, salut! Sachez que l'Empire contrôlait jadis tout Faudland, mais après la guerre civile, la région Nord fit scission et devint le Royaume. Ensuite, la région du Royaume fit de même et devint l'Alliance. Les trois puissances actuelles ne faisaient qu'un il y a un millénaire. Encore de nos jours, certains nobles de l'Empire rêvent de la réunification de Faudland. Notamment notre très cher Edelgard. La porte s'ouvre. Linhart! Je suis totalement épuisé. Je vous assure, professeur, chaque mois amène son lot de travail supplémentaire par ici. J'avais imaginé que l'académie soit un havre de relaxation avant notre entrée dans la vie active. Vous avez intégré l'académie pour relaxer. Après l'académie, nous intégrons la noblesse avec tout ce qu'elle comprend en intrigue et d'affaires de drame. J'aimerais juste susseoir cette vie-là, pêcher, dormir sous un arbre, sécher les cours et enfin, pas si c'était vos cours, bien entendu, professeur. Oui, évidemment. Tu te rattrapes comme tu peux. Petit Linhart. Il y a une quête à droite, il y en a une tout en face, mais si j'en ai déjà loupé une autre. Ah ben voilà. Oh Elfric. Ah je vois, vous êtes l'enfant de Gérald, vous ressemblez tellement à votre mère. Vous connaissiez ma mère. C'est moine, d'où c'est un moine.
Ils l'ont même pas nommé à Elfric. Oui, j'ai connu vos parents, ça fait quelque temps que j'espère pouvoir m'entretenir avec vous. Je ne vis plus au monastère depuis un certain temps parce que... Oh, peu importe. Puis-je vous demander un service? Auriez-vous de l'amabilité d'aller accueillir quelques fleurs pour orner la tombe de votre mère? Certain qu'elle serait heureuse de recevoir un présent de votre part. Des quêtes supplémentaires. Oh là là! Ils nous l'ont mis. Pourtant, il s'est fait tellement claquer la gueule. Espèce de bâtard. Espèce d'imichant. Hop. C'est où c'est probablement dans le... Dans la serre, on est d'accord. Thomas, la bataille de l'Union approche. Mais dégage. Je n'en veux pas. On va retourner à la serre, hein, que voulez-vous. On n'a pas le choix. Des matous. Des matous. Hop, plouf. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter. Tu veux pas me former à l'épée, tiens. Hop, on va passer à plus. Très bien. Donc, on emporte ses fruits. Toi, tu peux pas m'entraîner à l'arc. Formation. Ouais, l'arc, c'est bien. Ok. Demandera... à Hahnemann. Voulez-vous jardiner? Oui. Non, c'est où? Ah, c'est là-bas. Hop, bouquet de... je sais pas quoi. Hop, on va se balader. Elle est où l'autre? Elle doit être en plein milieu. Là-bas. Elle est loin la quête, elle est où? Petite quête. Quête ou nette. Tu es là. J'ai trouvé Sylvain. Vous pouvez me croire, les femmes affectionnent les vainqueurs et cette victoire est la plus importante de toutes. Bonne chance. Vous savez que vous commencez, professeur. Je vais même pas proposer de le recruter. Flynn et Monica, c'est ça? Je suis heureux qu'elle soit rentrée saine et sauve. Dommage, je l'aurais bien recruté, Dimitri. Lol. Combat contre les chevaliers royaux. Bah, vas-y. Puis-je vous être utile? Avec son concours, la cuisine est remplie de poissons, les cuisiniers ne savent pas donner de la tête. Yes. On peut aller là. Bon, on va retourner. On va retourner déposer les fleurs sur la tombe de notre maman. Dont. Cet abruti a été amoureux. Amoureux. Mais c'est exactement le genre de fleurs qu'elle aimait autrefois. Désormais, je pourrais enfin trouver le repos, ou bien il est temps pour moi de prendre congé. Prenez bien soin de vous, je vous prie. Et de Gérald également. C'est ce qu'elle aurait souhaité. Mais il est mort. Il va mourir, Gérald. C'est nouveau cet endroit, non? Vous pouvez y aller, là? Vous pouvez passer par là. Intéressant. Je découvre. Je découvre. On peut aller ici. Nous n'y sommes pas encore allés. Et nous devons d'y aller. Oula, 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 oula. Pas du tout, nous devons pas y aller. Je regarde promptement l'écran. Et boum, 38 minutes. C'est beaucoup trop long. Fire Emblem, je reprends mes vieilles habitudes. Tant pis. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis également à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.